Peut-être Sathier Brié, journaliste à clin de télévision. Comme je vous dis, nous sommes à la DIC de Savigny. Nous sommes avec l'oncle de l'honorable, le grand frère. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Indever Koutimouka, le frère de Willy. D'accord, le grand frère. Le grand frère de Willy. D'accord, dites-nous, vous l'avez connu, parlez-nous un peu de lui. C'est quelqu'un qui a vécu 45 ans, mais s'il faut parler de lui, je me mettrai debout ici plus de 45 ans. En bref, s'il vous plaît. Parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'œuvres, politiquement et socialement au niveau du Congo. Il est très aimé par la population, bien que même si on est beaucoup aimé, mais il y a une petite partie qui sont hostiles aussi à sa personnalité. Donc ce qui fait que Willy, bon, c'est un baobab qu'on a perdu dans notre famille. Il restera à jamais gravé dans nos cœurs. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire pour le moment parce que je suis très ému de cette situation. Je me pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais pourtant c'est vrai. Donc, mais vraiment, tout le monde se pose des questions, il est mort de quoi? Les gens ils veulent savoir. Willy est mort du paludisme cérébral. Comment ça s'appelle? Excuse-moi, je comprends. C'est le tuberculose cérébrale. C'est pas palud, pardon, excusez-moi. C'est du tuberculose cérébrale qu'il est mort. Voilà, bon, c'est une maladie qui le menaçait depuis quelques années. Ça allait, ça revenait. Et là, bon, ben, c'est Dieu qui donne et puis Dieu reprend, voilà. Voilà. Il n'a pas laissé un message à tous, il ne vous a pas parlé quelque chose? Ben, oui, c'est vrai qu'il a laissé des messages au sein de la famille. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'il a dit? Le message qu'il a laissé, c'est que je ne peux pas vraiment parler de ça parce que c'est trop familial. C'est familial ce genre de message. D'accord. Donc je ne peux pas vraiment divulguer ici. D'accord. Il y a certaines personnes qui l'ont connu dans le bien et dans le mal. Qu'est-ce que vous passez actuellement à Brazzaville, on l'a dit, à Filou, ça tire. Quel message que vous pouvez envoyer à des jeunes qui sont en train de tirer actuellement à Filou, alors que le corps va venir mardi à Brazzaville? À ma connaissance, j'ai eu Brazzaville, le corps ne sera pas Brazzaville, ne voyage pas mardi. Oui. D'après les informations que j'ai qui parviennent de Brazzaville, le corps quitte ici jeudi. Donc la date a été changée par les politiques du niveau de notre pays. D'accord. Mais pour ceux qui tirent partout, c'est vrai que c'était un guerrier. Mais comme il disait lui-même, l'âge des armes, le moment des armes est passé. Maintenant, c'est le moment de la paix. Pourquoi effrayer cette population congolaise qui a déjà tant souffert avec le bruit des bottes, des armes? Pourquoi effrayer cette population congolaise? Vraiment, je prie. Je lance un message à la population congolaise, aux ninjas, aux cobras, aux je ne sais pas quel groupe, ceux qui tirent, et même ceux qui n'appartiennent à aucun groupe, mais qui ont des armes, qui tirent, manifester effectivement le départ de leur chef, tout aimé, d'arrêter d'effrayer la population. D'arrêter de frayer la population parce que c'est une population de gens. Dès qu'il y a un tournement d'armes, c'est aussitôt les gens ont peur. Donc n'effrayez pas la population congolaise, s'il vous plaît. Restons calmes jusqu'à l'arrivée du corps de Willy Yamazas. Lui-même, c'était un homme de paix, il avait laissé des armes et il se promenait comme ça sans armes. Suivant son modèle, pour que vraiment que la paix règne sur tout. D'accord.
me dit que vous n'avez pas un message envoyé à la famille qui est au Congo. Vous voyagez aussi? Oui, je voyage. Bon, comme cette vidéo, lundi déjà, c'est sur le YouTube. Avant que vous partez, je ne sais pas, jeudi ou mardi, est-ce que vous avez un message envoyé pour les gens qui vous attendent, s'il vous plaît? Le message que je peux envoyer à ma famille, en général, ma famille congolaise, et en particulier ma propre famille, c'est que pour le moment, ici, il y a la paix. Bon, là où il y a un baobab de ce genre qui tombe, il y a toujours quelques problèmes, quelques difficultés, mais bon, on essaye de s'arranger, on essaye d'apaiser un petit peu ce qui ne va pas. Le dialogue, nous, on vit dans le dialogue et on met le nom de Jésus-Christ en tête, et en mettant le nom de Jésus-Christ en tête, on réussit à son temps, on réussit à respecter le nom de Willy pour que la violence ne règne pas, pour que la violence soit vraiment exclue de nos comportements. D'accord, mais dites-nous encore pour la dernière fois votre nom, s'il vous plaît. La dernière fois, vous vous êtes présenté, votre nom s'il vous plaît. Pardon? Votre nom s'il vous plaît. Je suis Yves de Verre. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ou avant que vous puissiez avoir quelque chose à rajouter. Non, mais j'ai pas vraiment. J'ai pas grand chose à ajouter parce que pour le moment c'est un problème. Comme si c'est une pierre qui tombait du ciel sur ma tête. J'ai pas vraiment grand chose à ajouter parce que pour le moment. Comme j'avais dit, est-ce que c'est vrai qu'il est mort? Je vous dis non, il n'est pas mort. Mais pourtant, et pourtant c'est vrai. Merci. Merci, monsieur. Aïe, si y a Toto, y a...